Voilà, bana Congo démocratique mbote na bino balandi ya magazine wa Basango. Bino bola na biso partout na Kinshasa, na Europe, na États-Unis d'Amérique, pe na Asie, na YouTube, bino bola na biso na ba chaîne partenaire. Awa to ko yebisa bino tozali na Lubumbashi. Esika wapi boko mona déjà terrain za rotonda na bana ya Lubumbashi ba ye déjà ebélé, ba Congolais ba ye ebélé pourquoi événement Ezaka Kamoko, retour ya Moïse Katumbi. Cette fois-ci, Balobi, Baromona, moi, na bango, Atika Bango, ça fait 3 ans déjà. Awa Tozali Boso ya Inafek, Oyo et Kabamarana, président Kyungu Akumwanza. Azali déjà ko mobiliser Bana ya Lubumbashi pour être lobby, Bazala et Belé na aéroport. Alors, bon, on a déjà Jeep na Ezawana, moi na mboka Kyungu Azawana déjà bako solona bana RDC mbote ya. Mbote ya boye awa vraiment pour nous ça. Swahili lingala la ebite lingala Swahili. Donga makano. Chie ba jina fake chito ko pale njua Moïse. Chie la ndi chi ba sokor pieto na moto. Akuna ta mpanya mata luka ta kuluka. Ulo amandeva bime kuya. C'est tout à mon canyon, je vais sur Opia, toute la discipline. A dépend des fous, Joshi, la jeune affaire qui chie. T'as pas de ton progrès pour présenter le mot bien, la jeune fouraille. Le président Moïse Katumbi, il a mis à couille. Apa, si y'a pas Moïse Katumbi, apa, ton affaire couille, apa. Bale bote, mesdames, ça coule à caca, mais ta couille à l'effet, mais apa, mais la fois qu'on fait qu'à ça, ça, apa. Chez Boté Lendi, tu es dans l'aéroport à partir à 7h, juste tu fais que parce que tu es dans la Kabila, tu es dans la Moukini, 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 tu es merci pour la parole. Tu es par rapport à président Oetu Moïse qu'on a couru. En tout cas, tu es dans la bienvenue. Et puis, je suis dans la Fujo aéroport. Comme on a dit, on a pas gagné à Fujo, on va te déranger. Tu n'as qu'à la, tu n'as qu'à la Fujo. Juste là, tu n'as qu'à la mandevu, tu n'as qu'à la nuelle. Où tu vois la mandevu à Ming, tu n'as qu'à la nuelle, tu n'as qu'à la. Ah, donc je suis bioté, mais tu n'as qu'à la Fujo, c'est ma voix. Je n'ai fait que ma fan à Ivy, je vais baba ça au conseil. À toute la fois qu'il y a un petit chitou, n'a pas de problème. Tu n'as pas bile bien tu n'as pas de souci, parce qu'on voit bien tu vas aller Kimia, bien tu bien n'as pas de souci, bita fani chika, bunga le mamba kiloko, mamba le mamba fani chika, bunga, lingala, matembe, kinoyo, lingala, munasema, ok bonjour, bonjour, vous êtes venu ici pour faire quoi? On est venu pour soutenir notre président Moïse Katumbi Tshapwe pour l'arrivée de demain, le lundi 20 mai, c'est qu'il nous a promis qu'il va venir le 20. C'est ce qu'on attend. Et puis le Jinakfek, il est là pour le soutenir, Moïse Katumbi Tshapwe. Merci beaucoup, je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Bon, moi, bisous, tu es préparé pour arriver à Moïse Katumbi. Mais tu es en Raka, na jour à l'event, tu es en discipline, tu es en Makelele, tu es en Bitumba, tu es en Zabilo, tu es en discipline, tu es en Sobakoya Koyambaye. Merci. Voilà, tu dois faire vivre la sensibilisation à moi, Namboka, Kyungu Akumwanza. Après, tu es zonga pour expliquer bino et le roni nero le ka awa na in effect. Merci beaucoup bande ko balandi ya magazine wa Basango.
Ok. M'adresser à tous nos membres que nous appelons communément combattants et à toute la population de Lubumbashi en particulier, du Katanga en général, à ma qualité de coordonnateur, élu député provincial de Lubumbashi. J'aimerais tranquilliser tous les habitants de la ville de Lubumbashi. Nous, membres de l'ensemble, nous avons fait tout pour faire comprendre à l'opinion que demain, lundi 20 mai, il n'y a pas guerre. Il n'y a pas trouble. Il n'y a pas désordre. Il n'y a pas provocation. Il n'y a pas injure. Il y a uniquement la joie. C'est de recevoir un enfant du coin qui a été contraint de rester à l'extérieur pendant près de 3 ans. Il s'agit de Moïse Katumbi Tchapwe qui arrive demain lundi 20 mai. Date qui coïncide avec son départ d'ici, lorsqu'il est parti se faire soigner en Europe, et c'était le 20 mai. C'est tout un symbole. Nous lançons ainsi appel à tous les habitants de Lubumbashi de rester dignes. Nous connaissons la chaleur avec laquelle cette population a l'habitude d'accueillir ses hôtes de marque. Moïse Katumbi rentre, il a lancé plusieurs appels. Il a été clair que ceux à qui il a commis, contre qui il a commis des fautes, il demande pardon. Et il pardonne aussi à tous ceux qui lui ont cherché du mal. Donc nous adoptons cette attitude. Nous n'avons que des amis demain. Trêve d'autres choses. Mais demain, nous accueillons Moïse Katumbi Tchapwe dans la joie, dans l'allégresse et pas de débordement.
pas de trouble, pas de provocation. Nous ne ferons que accueillir un homme que nous avons beaucoup, qui nous a beaucoup manqué pendant plus de 3 ans. Alors, je n'ai pas d'autre chose à dire, plus seulement la mobilisation. Que tous ceux qui aiment Moïse ne restent pas dans leur maison, qu'ils aillent l'accueillir. Et je profite aussi de l'occasion, parce qu'on ne le dit pas assez. J'ai même entendu hier un autre fils du Congo qui a fait, c'est pas moi, 3 ou 4 ans à l'Afrique du Sud, à l'extérieur, qui a annoncé aussi son retour de l'autre côté du Nord Kivu. Et tout à l'honneur de Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui nous adressons nos hommages les plus différents et tous nos remerciements au nom des enfants du Kataka. Parce que sans lui, nous n'allions pas accueillir le nôtre Moïse Katumbi demain lundi. C'est grâce à sa présence, c'est grâce à son avènement, lui qui connaît le sens du mot droit de l'homme, lui qui connaît la valeur des citoyens chez lui, lui qui a fait tout pour libérer tous les prisonniers politiques qui moisissaient, qui conduisaient dans des cachots partout dans la République. Lui, grâce à lui, aujourd'hui, la population peut manifester l'espace politique ouvert à tout le monde, que vous soyez pour ou contre lui. On est en train de vivre la vraie civilisation. Nous ne sommes plus dans des goulas, nous ne sommes plus dans des cachots. Les nôtres peuvent s'exprimer librement. Chapeau Félix. Je vous remercie. Ndeko, Azamu Payate, Azali de Mwanamboka, Moïse Katumbi Tshapwe. Akozonga lobi lundi le 20. Tosengi makambo nyonso eleka na kimia, tozala na esengo po ya kozwa oyo wana na biso 3 ans atikali libanda balingaki azonga te. Tupesi merci mingi na Faji Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ye moto asali alakisi kinde mingi baza koloba o aye kaka ye moko te, ezali Antoine Félix Tshilombo. Ye moto asali si biso parce que ye moko alobaki Moïse sikoyo justice na biso ekomi libre, ekomi kosala ndenge makambo esalemaka na bapeyi civilize. Ya mwana tomoni prisonnier politique esili makambo ya bakacho ane esili, tokomi bato moko normal, bato moko bazali nde makambo oyo eza koleka na mboka esalema na ndenge oyo balobaka mindele balobaka peyi civilize. Lobi le 20, moto ata moko te atikala na ndako. Oyo atikala na ndako eza oyo aza maladi. Moto nyonso na barabara toyamba
Oye ya biso Moïse Katumbi Tshapwe na isengo vraiment na bolingo. Merci mingi. C'est que moi c'est Paulin Djouma de la Radio Kapi. J'ai bien suivi l'exposé du président, c'était clair, il n'y a pas des zones d'embûche, mais de mon côté, j'ai pu avoir quelque chose qui semble être très obscur. Vous aviez parlé de la guerre. Non, ce jour-là, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Vous avez aussi soulevé... pas une guerre classique, c'est-à-dire tout simplement des troubles, des... Et tu vois des gestes qui peuvent facilement provoquer des troubles. Voilà, c'est tout ce que nous voulons dire. Nous ne voulons pas qu'il y ait des troubles, nous ne voulons pas qu'il y ait des provocations inutiles, nous voulons qu'il n'y ait que la joie. Voilà, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas qu'il y a une quelconque guerre. Bon, la guerre se trouve ailleurs, pas ici. Bon, maintenant, son programme, de toute façon, d'avance, il n'y aura pas de meeting. Nous l'accueillons, nous l'installons. Le reste, c'est lui-même qui va publier son emploi d'État. C'est tout. Deuxième question. La mission TV depuis Kinshasa, et Baba Kyungu. Déjà, je vois depuis là, vous avez dit Baba et Toto. C'est-il bonne chose de vous attendre? Assurant vos déclarations à la télé, dans des radios, des Kinshasa, vous ne partenez plus à l'Angola. Mais aujourd'hui, on constate que le coordonnateur est vraiment là avec ses racines. Comment vous allez procéder? Bon, je persiste et je signe. Je persiste, je signe, madame, je ne suis pas l'Ambuka. Et mon parti politique, il a fait, n'a rien à voir avec l'Ambuka. Monsieur Katumbi vient, il a dit lui-même, comme leader politique. Jusqu'à preuve du contraire, il est coordonnateur national de l'ensemble. J'ai été élu dans ce cas, ensemble. Moi, je suis légaliste, je suis député. Le jour où M. Katumbi organise des manifestations de la Mouka et que vous me trouvez là-bas, posez-moi la question. Pour la petite histoire, la Mouka, c'est une plateforme électorale et spécialement pour les élections présidentielles. La Mouka, pour nous, après cette étape, ça n'existe plus. Bon, ceux qui ont besoin de rester debout dans la Mouka, mais nous, on était réveillés depuis longtemps. Pardon. Je ne suis pas la Mouka, je ne peux pas engager la Mouka à quoi que ce soit. Mais bonne chance. Une petite question. Je crois que c'est Peter Tiani, vrai journal Kinshasa. Je crois que dans une émission élaborée, on va décortiquer. Je suis ici au Congo. Mais juste une petite question, Baba. Moïse Katumbi rentre, il y a une préoccupation, la sécurité. Il y a des gens qui peuvent créer des infiltrations. Nous savons aujourd'hui que, bien que Félix Tshisekedi, vous l'avez remercié, est à la tête du pays, mais Joseph Kabila est en train de rôder autour avec ces gens. Quelles sont les dispositions sécuritaires prises pour qu'il n'y ait pas d'incident demain, parce qu'on sait que Moïse Katumbi
et Baba Kiongo sont à la base aujourd'hui du départ de Kabila. Ils ne vous laisseront pas tranquille. Merci, putain, non, écoutez. Qu'il soit, on lui souhaite bon voyage, celui qui est parti. Mais vous avez tout à fait raison. Nous devons faire très attention, le terrain ne nous est pas totalement favorable. Dieu merci, nous avons celui qui est là, Fachi. Qui veille au grec, qui ne peut pas accepter qu'il y ait des pécheurs à nos troubles qui viennent semer la pagaille. Bien au contraire, je sais, tel que je le connais, il va suivre de près toute la situation ici. Moïse rentre et nous veillerons à ce qu'on ne lui colle pas toutes sortes de péchés, voilà, c'est à cause de lui qu'il va rentrer. Nous restons simples, nous l'accueillons dans la fraternité et nous avons d'ailleurs, Peter, nous avons tout fait pour associer l'autorité locale afin que rien n'échappe pour tout ce que nous allons faire. Et nous avons des services de sécurité officiels qui veilleront au grain et qui vont nous encadrer, et nous demandons à nos combattants, à nos jeunes gens, d'obéir et de rester juste de s'occuper que de celui qui va venir et non pas chercher des alibis pour créer des désordres. Je voudrais vous poser une question à Zidala. Le président Kungwa Kumwanza, les loyaux surtout la Kinshasa, Farali Koloba, aux en position de débat, vous voyez, mais sous couleur, vous voyez, et vous voyez, la couleur, il y a jaune, vous voyez, dans orange, vous voyez, dans rouge, pour expliquer, ben, la Kinshasa, faire avec le débat. Moïse Katumbi Tchap, président, tout le coordonnateur, il y a Mamouka pour le moment, on ressent à 3 mois. Il a fallu tout le monde en présence, il y a Martin Fayoulou. Jusqu'à présent, à Zaté ou bien Royal Hero, les journées nous précisent, maximum pour la Nayo. Voilà, merci. Et nous j'ai déjà répondu à ça. D'abord, Mindele va français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Là, nous voulons aller à l'imbécilité. Sauf les campes d'âme avec la lobby. Ceux qui aillent à madame, la lobby. Ce que les mots que nous disons à na côté mon bon gars na voie qu'on demande na cause la tête na voie puis ça est bon na commande au contraire on va y ici oh non à ça na couleur tu les as ou pas tu m'entends qui m'a capoué belé bah oui bah ça qu'on le voit na bah ça bah ancien Afdel ancien MPL ancien bah ça là qui bah ça lui on a mais gars na zara kandé on va la tête gars zara kamoto moko juste pour n'ayez plus hypocrisie et ça y n'a pas l'air d'unité. L'hypocrisie c'est impossible. Et donc les Aliwana attaquent aux Alinani. Ce qu'on a moni, ma cabane est commis en bilingue, bilingue, la lobby n'a yo, non. Comment ça l'a gagné? Comment ça l'a gagné? Aliwana, Nazali Nangai libéral, Nazali Nangai libre. Des principes. Vous voyez, comme je suis dit, je suis dit, je suis dit, il faut toujours avoir peur d'avoir peur de quelqu'un. Ça vous n'êtes pas un combattant. Deuxièmement, tu dis ce que tu penses.
Oyo o lobi o kanisi o lobi tata oyo makambo nga na boy. Monsieur Kabila, o lingi troisième mandat tiani na lobaki na ye te par écrit. Donc c'est là qui a permédité non. Azana mukanda. Tout ça qui est basé G7 trois fois. Bon alors donc la canicie base à la banne à qui s'en base à la tranquillité ngai et kamuzawana nazali leader politique tout comme à la mode nazala café na base nanaï. Merci beaucoup, cher journaliste. J'estime que pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous laissons le président avec d'autres occupations. Je vous remercie. Bana RDC ndenge to ibisa kibino ke to kokota na place oyo mwana mboka Kyungu wa kumwanza ko sala point de presse na ye. Premièrement outi ko sona ba jeune o boku mwana ba image wana. Apesi bango moral comment ba ko yamba président Moïse Katumbi mukola lobi lendi. Apesi bango déjà ba équipement yo so complet. Apesi message à lobi ba ya ko yamba président Moïse na kimia. Ou ya ko ya pona ko sala désordre akokuta na force de l'ordre au Ezawana pour qu'on traque mutino soit qu'on ait bébé ça fait y a ban à Lubumbashi pe y a ban à Congo Mobimba au bas causé la président Moïse Katumbi alors boy qui point de presse n'est n'ga sali a brossé ba question nous au yoba kino ba retourne au Congo là retourne boy qui n'engue à lobby pour la mission magazine au Basango tout faire vivre bino toujours événement à on a quatre Lubumbashi aussi qu'elle a toujours scotché na chaîne na bino pe na magazine na bino Bolandaka surtout na YouTube. Merci à faire à suivre pour Toro Kenesou dans l'aéroport. Tout le monde, Franck Diong. Merci.